Christian Quesada des 12 coups de midi répond aux critiques et n'y va pas de main morte et loue plus grand maître de midi dans l'émission présentée par Jean-Luc Reichmann. Christian Quesada est aujourd'hui l'un des joueurs de télévision les plus connus de sa génération. Si bien que son autobiographie est classée deuxième des ventes. Une fierté pour l'ex-candidat qui a pourtant reçu de nombreuses critiques, Christian Quesada est en colère et le fait savoir. Depuis son élimination survenue le 14 janvier 2017 dans les 12 coups de midi présentés par Jean-Luc Reichmann sur TF1, le candidat multiplie les projets. Avec plus de 800 000 euros de gains, le plus grand maître de midi s'est offert quelques voyages et surtout une vie plus confortable pour lui et ses deux fils. Il s'est également consacré à l'écriture de son autobiographie sortie le 15 novembre 2017. Et le père de famille qui vivait au RSA connaît aujourd'hui un véritable succès. Plusieurs mois après la publication de son ouvrage, ce dernier est toujours classé en deuxième position des meilleures ventes de livres du site Amazon. Une fierté pour Christian Quesada qui n'a pas tardé à remercier ses fans sur les réseaux sociaux, après 8 mois voir cela, merci à tous. Lectrices et lecteurs, a-t-il écrit sur Twitter. Seulement voilà, si l'ex-candidat a beaucoup d'admirateurs, certains internautes ont pointé du doigt un manque d'humilité et des propos déplacés. Comme le souligne le magazine Voici. Christian Quesada a reçu de nombreuses critiques de la part d'internautes médisants, messages supprimés depuis. Résultat, l'écrivain a souhaité répondre à ses détracteurs par la provocation, puisque quand je dis merci à mes lectrices et lecteurs, il y a les éternels haters qui disent que je manque d'humilité, sic. Je ne dis plus rien à part mon admiration devant leur don de connaisseur littéraire puisque mon livre ne se vend pas, recic, et voilà, pic.twitter.com/gmsw4sequino, Quesada Christian, @chris12mdm, July 30, 2018 puisque quand je dis merci à mes lectrices et lecteurs il y a les éternels haters qui disent que je manque d'humilité, sic, Jean. Ne dis plus rien à part mon admiration devant leur don de connaisseur littéraire puisque mon livre ne se vend pas, recic accent circonflexe, Quesada Christian, @chris12mdm, July 30, 2018 crédit photo, SIPA presse chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Christian Quesada, les 12 coups de midi.